Les principaux indices de la Bourse régionale des valeurs mobilières ont connu au cours de l'année 2014 une évolution notable, plus 8,60% pour l'indice BRVM 10, quand l'indice BRVM composite gagne 11,23%. La capitalisation boursière, elle, s'est établie à 7 458,7 milliards au terme de l'année 2014, soit une hausse de 11,22% par rapport à 2013, des performances que le directeur général de la BRVM explique. L'économie de notre région, Afrique de l'Ouest, s'est fortement appréciée au cours de l'année 2014 et particulièrement au sein de l'UEMOA, nous affichons un taux de progression de 6,6%, ce qui est un taux très important comparé aux autres régions de notre continent. Les 38 sociétés cotées à la BRVM ont, elles, réalisé un volume de transactions de 227,13 milliards de francs CFA, ce qui représente une hausse de 17,38%. L'institution sous-régionale reste la sixième place boursière en Afrique. Elle aspire désormais à intégrer le top 5. Au cours de cette cérémonie, une convention a été signée avec l'African Guarantee Fund, AGF, structure de gestion d'un fonds de garantie afin de faciliter le financement des PME africaines. Le problème que nous avons, le problème que les PME ont en Afrique, c'est l'accès au financement. Et cet outil vient, comme je disais tout à l'heure, diversifier encore l'offre qu'elles ont et leur permettre de jouer pleinement leur rôle de moteur de croissance. Pour 2015, l'institution veut ouvrir un troisième compartiment dédié aux PME tout en militant pour l'admission de nouveaux titres à la cote.